Bon les beaux gosses, on part sur un tranche partage de bouteilles. Est-ce qu'on va essayer? Oui. Est-ce qu'on va y arriver? On verra. Voisine Romanée, grand vin de Bourgogne. Comme vous savez, j'ai un bon niveau en termes de transportage maintenant. Je jouis d'une certaine expérience. C'est parti. Tiens, donc là, je pars sur deux doigts d'accélérateur. Ça passe. Je te dis que ça passe. Par contre, si tu commences à faire ça, mec. Donc, bah voilà, on est parti, hein. Écoute. Donc là, les gars, on va lancer une nouvelle série. Ça va être le Would You Like ou alors le Do You Like. Je sais pas encore. Soit le Will, soit le Deal, tu vois. Voilà, en américain, ça donne à ce que tu veux ou à ce que t'aimerais, tu vois, ça dépend comment tu dis, hein, would you like, c'est à ce que t'aimerais. Et... Donc ça va être pour ce genre de truc où justement je pars comme ça, me balader, quand je vais faire un petit achat, tu vois, comme là une petite bouteille de vin qui vaut quand même 43,75€, autant te dire que si je la fais tomber, je pense que je suis pas trop, trop bien quand même. Allez, le dan, c'est un peu compliqué là, hein. Genre là, il va falloir relever la bouteille, passer le dodan et remettre la main pour accélérer et ça passe. Regarde, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Donc le deal ou le oui, on sait pas trop encore. Vous allez me dire dans le petit sondage, besoin d'un transport, de quelque chose, une marchandise, tu vois, je te vends mon entreprise. Tu m'appelles, y'a aucun souci, je te fais ça. Voilà, dans la foulée je te le fais. T'as cru que t'allais passer toi, hein? Eh non, un petit verre. Bonne journée. C'est ce genre de mec qui tend jusqu'au dernier moment, tu sais, jusqu'au dernier moment, au dernier truc, tu vois, au dernier, bah oui, voilà. Voilà, j'ai gagné une place. Wow, champagne. Non, pas champagne, devant. Je suis claqué. Un peu de vin rouge. Oh, mais tout le monde dit non à chaque fois. Bonne journée. Donc alors, pourquoi j'ai acheté cette bouteille? C'est pour la fête des pères, car aujourd'hui, les gars, c'est la fête des pères. Donc, j'ai fait un petit cadeau sympathique, hein, voilà. C'est pas tous les ans, si c'est tous les ans, mais c'est pas tous les jours, voilà. Ça défonce la main, j'ai grave mal à la main. À force de la tenir comme ça sur deux doigts, je sais que je suis musclé, tu vois, mais quand même, c'est pas... Bon, alors, ici on prend la gauche. Donc dites-moi vraiment en commentaire si cette série vous plaît. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vraiment, ça sera un indicateur pour moi, là, pour voir si vraiment cette série-là vous plaît. Enfin, vous plaît. Vous plaît, je veux dire. Oups, mince, flûte. Oh là 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 là, je crois qu'elle est pas en voiture elle. Déjà pour Noël, je lui avais acheté une cave à vin. Alors on continue la petite moto. Broup, broup, broup. Petite cave à vin. Oh, on la voit pas ici, bon, c'est pas grave. Petite cave à vin plutôt pas mal. Allez beau gosse, ciao. Donc là il aura la petite bouteille qui va avec, tu vois, machin. Oula, attends merde, parce qu'il y a José qui est là. C'est bon José. Donc ouais voilà. Mais pour le moment personne n'en veut de mon petit vin. Mais je suis triste hein, quand même. Vas-y, les gens ils sont trop compliqués aussi. Petite bouteille de vin. Moi j'aime pas le vin, mais bon, je m'arrêterai pas tant qu'il n'y ait pas un mec qui m'a dit oui vas-y fais péter. Après l'échec est possible à tout moment, hein, parce que la bouteille commence à me faire mal à la main. Là mon air à un moment donné il va lâcher, ma main va s'ouvrir, tout va tomber. Je n'aurais pas l'air con. Allez-y. Allez-y. Ah dis pas merci, bah non, bah pour la peine t'auras pas de vin. Voilà. Ah en Porsche il avait sa vitre ouverte, je te jure je lui aurais demandé. Petite C63 AMG juste garé là, voilà. J'ai une Porsche devant, une Porsche derrière. Eh, si c'est pas beau ça, une petite miniature YouTube là comme ça, tu vois. Ça quand il y a du vin, il y a du monde, hein. Tu peux y aller, hein. Putain, il fait un bruit son scout à lui. Dommage avec la coque, je voulais bien lui demander si... Ah là-bas ça bouchonne, je pourrais lui demander. Prends la gauche. Un petit coup de rouge. Ouais, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Ouais, justement. Elle est belle derrière, j'aime beaucoup. Merci. Bonne journée. En plus, j'y ai pensé que c'était comme la voiture. Ah non, hein. Ah non. Ah non. Ah là, j'ai dit non. Oh là 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 là, avec la bouteille dans la main, c'est chaud ça. Pourquoi je suis passé par là? Mais j'en ai marre. Bon, ah, j'ai mal à la main, putain, c'est un truc de ouf, hein. Essayez un jour de prendre, je sais pas, une bouteille d'eau. Ça fait super mal parce que peut-être que je suis con, j'aurais pas dû faire ça comme technique. Mais franchement, bon, les gars, autrement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que ça soit plus long ou pas. Bon, déjà, dites-moi si vous voulez un autre épisode de cette série là parce que tu vois, j'ai voulu lancer un petit truc un peu nouveau, t'as vu. Je sais même pas si ça existe dans le monde du motovlog, j'en sais rien. Donc dites-moi si les noms vous vont, j'en sais rien. Le DYL ou le WYL, do you like ou would you like en américain. Et donc c'était à l'occasion de la fête des pères, donc bonne fête à toi mon papa. C'est quand même que tu verras cette vidéo là, donc je te la dédie, tu vois. Voici la petite bouteille de rouge à ton effigie, voilà, on adore. En tout cas, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si cette série vous plaît. Prenez soin de vous les beaux gosses, beaucoup de choses arrivent avec le parler moto, machin, tout ça. Bisous partout, à la prochaine et ciao.